récupérer. Cela fait déjà 2 semaines que je suis dans cette école et j'arrive à rien faire. J'ai des mauvaises notes. C'est triste. Écoute, Jean-Jacques, tu dois persévérer. Le travail est la clé de la réussite. Tu as raison, Jean-Pierre. Oui, je sais. Ton soda a l'air délicieux. Il est vide. Ah, c'est pour ça qu'il y a du bruit. Il n'y a pas assez de soupe dans les accessoires. Écoute, Jean-Jacques, ton Pierre, mon esprit altruiste me dit de t'aider. Ah oui, ouais. Peut-être que tu vas me donner un passe tout grain. Écoute, Jean-Jacques. Quoi ? Les passe tout grains sont des choses très très rares qui ne se donnent pas à la première occasion. J'avais juré de jamais utiliser un passe tout grain en venant dans cette école. J'ai déjà été viré. Oh là là, dis donc, je crois que j'ai une mauvaise nouvelle. Que se passe-t-il? Il semblerait que nos étudiants aient pris un passe-tout-grain. Tu veux dire un passe-tout-grain? Non! Non. Ne me dis pas une chose pareille. Tu sais bien quelque chose que les autres ignorent. En effet. Dans l'épisode précédent, pas président. Je t'ai vu. Non. Je t'ai vu. Alors dis-moi pourquoi tu as pris le passe-tout. Jamais je ne te dirai pourquoi j'ai pris. Et que tu l'as donné à un élève. Oh. Sache que j'ai une relation avec un. Je l'ai eu parce que je suis privilégié. C'est un vrai passe-tout-grain. C'est un vrai. Il est beau, hein? Peut-être devrais-tu le sortir de sa boîte. Je n'ose pas, je sais très bien que c'est dangereux. Oui, je sais, ne le bascule pas comme ça. Tu ne sais pas de quoi un passe-tout-grain est capable. Si j'en suis bien conscient. Toute ma famille a été prise par un passe-tout-grain. Je t'en veux énormément. Tu n'es plus mon ami, même si nous faisons partie du même corps professoral. J'ai oublié de frapper. Freak. Juste avant qu'il frappe, une page de publicité. Action. Ça ne marche pas. Non, toujours mouillé. Et c'est un sèche-cheveux, les amis. Le jour où vous aurez de l'électricité chez vous, surtout avec le sèche-cheveux 3000, vous pouvez sécher vos vêtements. On lui fait ça faire. Il y a même des pubs qu'il y avait dans Télé-Cheveux. Reprenons l'épisode, il va frapper à la porte. 3, 2, 1, action. Entrez. Entrez! Je le fais quand même. Bon sang! J'ai une nouvelle de la plus grande importance! Jean-Jacques a utilisé un passe-tout-grain! Il en a perdu le contrôle! Aïe aïe aïe! Ah! Je panique! Quoi? Un passe-tout-grain? Il a employé un passe-tout-grain! Oh non! Il m'est arrivé quelque chose! Le passe-tout-grain est dans la pièce à côté. Ouais. En train de faire tous ces trucs de passe-tout-grain. Il est en train de tout passe-tout-grainiser! Jean-Jacques! Jean-Pierre, je t'en veux! Un passe-tout-grain! J'ai perdu le contrôle. Je suis venu t'aider. Ne t'en fais pas. Les professeurs sont là pour nous aider. Nous pouvons toujours compter sur les professeurs. Jean-Jacques, que fais-tu? Jean-Jacques, ça va pas.
là. Il va falloir être unis. L'union fait la force, mon ami. Ces derniers temps, nous avons perdu beaucoup de choses de notre amitié. Mais derrière cette porte, il y a un pastougrain qui est prêt à tout pour nous pastougrainiser. Tout ça, c'était la séquence d'avant. Désolé. C'était le... c'était le moment émotion. Ouais, merci, hein, poulet. Tu sais bien, nous avons perdu beaucoup de choses de notre humanité, de notre amitié. Il faut être fort. Ne nous lâchons pas, car sinon, on va se faire pastougrainiser. Oh, nous nous sommes lâchés. Que faire? Ouvrons le porte par porte. La pastou. Non, où es-tu? Où es-tu? Ah, Jean-Jacques, je suis là, Jean-Jacques. Je peux pas faire ça. Il est dans ses cheveux, Jean-Jacques. Oh, non, ça s'appelle aller chez le coiffeur. Pas du puits. Ma mère a dit. Mais alors, où est le pastougrain? Mais dans la pièce derrière vous, vous n'avez donc pas vu? Mon sang, on a sauté à l'épisode. Bonjour. La seule solution pour arrêter un pastougrain, c'est l'autre, le grain pastou.